Eh bien, dans cette hypocrisie mal assumée qui nous caractérise, je nous entends en train de nous demander comment en est-on arrivé là? Comment est-ce possible que des êtres humains puissent accepter pour de l'argent, peut-être même beaucoup d'argent, d'être aussi déshumanisés, aussi humiliés, aussi ravalés au rang de la bête, et même d'ailleurs moins que la bête? On est d'accord. Nous sommes en train de nous dire comment cela est possible. C'est plutôt cette question qui m'interroge. Dans la mesure où nous sommes bien des complices, nous savons bien que dans une société où la valeur d'un homme n'est proportionnelle qu'à la quantité de biens qu'il possède, il est tout à fait normal de voir que des gens, pour pouvoir être aussi appréciés, être aussi reconnus, puissent ne reculer devant rien. Il est tout à fait normal dans une société où lorsque vous rencontrez un être humain, votre premier geste, c'est de le dévisager, c'est de le regarder de haut en bas, de voir la valeur de ses chaussures, la valeur de ses habits. Il n'existe à vos yeux qu'à partir du moment où ce qu'il vous présente, ce qu'il porte, représente effectivement les critères de ce qui fait de lui quelqu'un de respectable, de quelqu'un à considérer. Lorsque dans notre regard, un être humain ne commencera pas à exister qu'à partir du moment où il peut nous donner beaucoup d'argent, où il peut nous éblouir par des biens matériels, bien sûr que nous serons en train d'encourager ce genre de choses. Cette vidéo, par exemple, lorsque vous tomberez dessus, il est possible que vous ne l'écouterez pas plus longtemps que ça, que vous ne partagiez même pas. Parce que justement, ce n'est pas forcément sur ces choses futiles. Si nous étions en train d'évoquer ces choses qui font de la brillance ou ces choses futiles, vous serez certainement plus intéressé, plus addict. Mais c'est bien, c'est là le mécanisme, c'est bien pour cela que chacun ne recule plus devant rien pour exister aussi. Nous avons renversé les valeurs, c'est-à-dire que nous sommes arrivés au point où un être par lui-même ne vaut rien. Le matériel est devenu la valeur qui nous indique la qualité, la considération que nous devons apporter à quelqu'un. Vous vous rendez compte? Des gens détournent des fonds publics dans des pays, s'arrogent, s'approprient le bien commun. Et nous sommes encore les premiers à les admirer, alors qu'ils vivent justement sur le dos de notre malheur. Bien sûr, ce sont les valeurs que nous inculquons à nos propres enfants. Je veux dire, quelle est notre première préoccupation? Montrer que nos enfants sont des enfants heureux, des enfants bien, c'est-à-dire leur acheter de beaux habits, de beaux vêtements. Ce n'est pas que de beaux vêtements, de beaux habits, de belles choses n'aient pas de valeur, mais simplement il faut les mettre à leur juste place. Mais à partir du moment où nous lui donnons la place première, mais vous ne pouvez pas en vouloir à de pauvres personnes qui, pour être aussi reconnues, valorisées, sont effectivement prêtes à subir toutes les humiliations possibles. Les vraies victimes, ce sont ces personnes à qui je ne jette aucune pierre, sont victimes de la société avec ses canons tels que nous sommes en train de nourrir ensemble au quotidien. Elles sont victimes parce qu'effectivement, elles ont une vue broyée à la fin, sur le plan psychique comme sur le plan anatomique. Je veux dire, ce sont des gens qui sont absolument détruits. Eh bien sûr,
Vous allez dire, ce sont des paroles de résignation que professent généralement des pauvres personnes lorsqu'on vous dira « l'argent ne fait pas le bonheur ». Oui, je crois vraiment que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent peut rendre heureux, peut vous conférer des instants de joie, bien évidemment. Mais le bonheur, il me semble véritablement que cela ne dépend pas de l'argent. Et je voudrais simplement redire que tant que nous n'allons accorder de l'importance à une personne qu'à partir de ce que possède cette personne, nous serons les premiers à être des proxénètes, des complices. C'est nous qui rendons les gens fous et après, nous nous moquons de leur folie. J'entendais encore un gamin tout à l'heure me dire que sa mère lui demandait de choisir une fille parce qu'elle est de bonne famille, parce que bonne famille dans le sens de famille aisée, de famille pas pauvre. Et l'enfant me disait, mais non, c'est ma maman, mais mes valeurs sont pas celles-là. Nous arrivons même à détruire les valeurs intrinsèques chez les êtres humains pour les pousser à nous considérer comme valables que ce qui brille et que ce qui est richesse, ce qui est richesse au sens matériel et surtout, surtout, excusez-nous de faire des gens choqués. Excusez-moi de vouloir montrer que c'est absolument ignoble de voir des personnes aller à la conquête de ces choses pour lesquelles vous les encouragez au quotidien. Ne jouons pas les hypocrites. Assez.